Et ça y est, on vient d'arriver à Palma de Majorque. On a réservé pour 4 jours. 4 jours, ça va être long, hein. Parce que cette fois-ci, pas d'hôtel. Voilà, on part en van. Ouais, c'est... J'ai un peu peur, mais ça va se passer. Là, on a été faire les courses. Ouais, et on est à Calapi. C'est ça. Pas mal. On va voir ce que ça donne. Alors, petite présentation du van. Franchement, il est pas mal stylé. Voilà, hein. Tout ce qu'il faut, hein. Et la télé. On vient d'arriver à Calapi là. On va voir si on va faire voler le drone. Vraiment très très beau, mais je pense que vu d'en haut c'est encore mieux. Et après on va sûrement aller à Estrenc. C'est des piscines naturelles dans la mer. Mais pas sûr qu'on ait le temps, on va voir. Parce qu'après il faut quand même trouver un coin pour dormir. Et ça y est, on retrouve la bête. Vraiment énorme. Franchement, pour conduire ça, c'est... faut l'avoir en main. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas le conduire? Je sais pas encore. Hein. T'en as pensé quoi de Estrenc alors? Bah, c'était 20 euros pour se garer, qu'on reste une minute ou toute la nuit. Donc, on n'y a pas été. C'était impossible quasiment là, vraiment. Et du coup, là, on est à Calo de Moro. C'est ça. C'est ça? C'était super beau au final. Je pense que ça valait le coup. Bon, le soleil commence à se coucher, mais c'est pas mal. Et là, maintenant, on va aller essayer de trouver un coin pour dormir et manger. Surtout manger. On est parti de Calo de Moro. Et on avait repéré un spot dans une vidéo. On est venu voir s'il était disponible. C'est le cas. Donc du coup, on reste posé ici pour la nuit. Moi, j'ai préparé l'apéro. Et Jo est parti faire voler le drone. Bon, dur dur le réveil ce matin. Franchement là, il est 7h. Il y a des gens qui sont venus se garer à côté de nous et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, il y avait un super lever de soleil. Du coup, je suis sorti, Morgane est resté dedans. C'est super beau. On vient d'arriver à la Cala Lombarde, franchement c'est énorme, il n'y a personne. Bon, j'ai essayé d'aller me baigner. Franchement, elle est très très froide. Il y a des gens qui rentrent comme ça dedans, là. Je sais pas comment ils font. Ah non, là c'est impossible. Où est-ce qu'on va maintenant? Aucune idée. Impeccable. Et ça y est, mademoiselle a pris le volant. Elle est à bord du Mercedes, c'est quoi? C'est un Sprinter 150 chevaux. Quelle bête. On vient de partir de Cala Lombarde pour aller à
Al-Kudja. Du coup, il y a 1h20 de route, là on a déjà fait pas mal, il reste à peu près une demi-heure. Non, ça y est, on vient de se garer là. On est à Al-Kudja. Al-Kudja. Et on va chercher à manger. Parce que il est presque une heure là. On commence à faire faim. Et voilà, après cet après-midi, normalement, on prend la route pour aller à la montagne. J'ai un peu peur des routes. Mais... Parce qu'au final, le van, il est grand. Il est très grand. Il est trop grand, même. On vient de trouver un resto pas trop mal là. On est au port de Al-Kudja. J'ai commandé une paella et la paella c'est entre 30 et 45 minutes d'attente. C'est vraiment un marseillais. Quoi, c'est ce qu'il a dit? 25 et 30 minutes. Voilà, donc c'est très long. Et donc au moins ça fait sur place, c'est bien. Mais du coup voilà, on a pris deux mojitos, on attend tranquille. Bon, le soleil a eu raison de moi. J'ai failli finir en roast beef, donc j'ai pris un chapeau là. Santé. Santé, hein. Une paella à 15 euros, franchement. Et ça, c'est des nachos, 11 euros. Et elle avait peur d'en manquer, impeccable. Morgane, elle vient me voir que dans ces nachos, il y avait des piments. Et là, comme par hasard, on me pose dans mon assiette. J'ai peur. C'est fort. Merci. Alors concernant la location du van, on est passé par Yescapa. On a payé 400 euros les 4 jours. Dont 100 euros d'assurance qui était compris. 200 km par jour. Et 800 euros de caution. Ouais, en liquide. Je conduisais tranquille, je regarde le compteur. 500 000 km. Il est rentable, hein. Ouais, et il a roulé le mec. Hein. Du coup, là, on est à Al-Kudja. Bon, j'arrête de le dire de toute façon. Et on en a pour 40 minutes de route pour aller au Panoramica. Cap El Fermentor. Oh, les biquettes! Ça y est, on est arrivé au cap. C'était pas vraiment facile de se garer, mais ça a fait la chance qu'on n'est pas en pleine saison. On a fait quelques photos au cap Formentor. C'est vraiment très beau, on est vachement haut et on est normalement au point quasiment le plus au nord de l'île. Et voilà, maintenant on va partir, je sais pas exactement où, on va voir. Bon, on vient d'arriver à Nudo de Corbata. C'est très beau, hein. Surtout en drone et tout. Mais je pense qu'on va pas pouvoir dormir ici parce qu'il fait assez froid. Du coup, on va chercher un autre coin. Mais comme on est au point le plus haut, bah, il est possible qu'il y ait pas mal de routes. Donc il va falloir vite trouver. Bon, on a beaucoup roulé parce qu'on est passé par où? Par Solaire. Solaire, au port de Solaire, on avait vu sur Park Fortnite qu'on pouvait dormir. Mais en fait, tous les coins où ils donnaient, c'était complètement réservé aux riverains. C'était sans interdit partout. Donc on a préféré pas y aller. Et là, on a trouvé un coin, on est à Caladeia. On est à Caladeia, sur le parking de Caladeia. C'est pas mal, hein. On est calé. On va sûrement aller manger à pied sur la plage. Début du troisième jour, on a bien dormi là, c'était
un coin vachement calme, on était bien. Et là, on va aller sur la plage de Caladeia, on va prendre un peu des photos et tout, parce que hier, il faisait un peu nuit quand même. Et après, on remonte parce que dans la route, pour retrouver la route principale, en fait, c'est plein de petits lacets. Et on a vraiment pas envie de croiser du monde, ça va être compliqué sinon. Il est presque 8h. On a bu le café, on a pris une douche. On est impeccable. Et maintenant, on va sur la plage. Comme si elle était un peu large. Ça va le faire. Ça passe. Du coup, on est allé à Caladeia. Et là, aujourd'hui, on est revenu pour visiter Solaire. On vient d'arriver à Solaire. On va visiter, on va sûrement passer la journée. Du port de Solaire, et là, ce coup-ci, on a pris une place directe pour se garer. Comme ça, on sait qu'on passe la nuit ici tranquille. Et là, on va aller se baigner. On a refait une tentative pour aller se baigner là. Impossible. Déjà, au milieu des mollets, ça fait mal tellement c'est froid. Déjà, ils se baignent tranquille. Pas comment ils font. Logan, elle a refait une tentative là pour aller se baigner. Et je crois que ça va pas le faire. Eh hey bébé, au courage. Eh non. Elle est bonne ? Impeccable, je suis rentrée facile. T'as vu, ouais. Ça y est, on vient de prendre le soleil là. On va passer l'après-midi à la plage juste derrière. Ouais, moi j'ai bien cramé. Tout petit peu. Un petit peu. Et puis on a pris une petite glace. Ouais, et une sangria. Juste un litre, soyons raisonnables. Ouais, ça suffit un litre. Nous on est là, parce qu'on a continué à marcher depuis tout à l'heure. Et le van il est juste ici sur le phare. Donc on en a bien pour 40 minutes de marche là. Ça y est, on vient d'arriver. On vient d'arriver au phare. C'était pas sans peine quand même. On a mis 34 minutes. Bon bah, on croyait être seul. C'est super. Waouh. Incroyable. Bon, on a bien fait d'arriver tout à l'heure, non? Parce que là, c'est complètement plein. Heureusement, on a pris une place un peu large. Du coup, nous, on a une petite terrasse. Ouais, pas trop mal. Ouais, franchement, les autres sont tous les uns à côté des autres, c'est chaud. Je pensais pas que ça se transformerait comme ça dans l'après-midi. Heureusement qu'on arrive pas maintenant quoi. Et là, on va finir les restes avec une petite vue tranquille. Bon bah c'est les dernières nuits dans le van. Franchement j'ai super bien dormi. Du coup c'est dire qu'on gagne à mal dormir. J'ai compris que quand l'un dormait bien, l'autre dormait mal. Aujourd'hui on va nettoyer et rentrer à Palma. Bah ça y est, je remets de l'eau. Hein. Le problème c'est que je mets de l'eau mais... Je crois que j'en mets autant que ce que ça sort. C'est pas un camping-cariste mais... Bon bah ça y est, on vient de nettoyer le van. Vider l'eau usagée, les toilettes. Tout ça, tout ça.
On a refait le plein et là on vient de se garer dans la rue où on doit le ramener. Donc on attend que le propriétaire vienne le récupérer. Et qu'il me rende la caution. Les 800 euros en liquide. Voilà. Et ensuite on va sûrement passer la journée à Palma. Ouais. Ouais, parce qu'on a le vol à 21h30. Oui. Bon, bien sûr, Morgane, elle a fait un peu trop de courses. Hein, tout petit peu, du coup, on mange encore les restes. Voilà, sandwich et bière chaude. Des câbles. On a rendu le van là. Tout s'est bien passé, on a récupéré la caution. Très important. Voilà, et là, on est à Campastilla, juste à côté de l'aéroport, et on décolle en début de soirée. Voilà, je pense que c'était tout pour ce vlog. Peut-être qu'il vous a aidé. Tierra, que la tierra.